Connectez, vous connectez, vous connectez, vous connectez, vous connectez, vous connectez, vous. On a un beau soleil ici en Bretagne. Un très beau soleil. J'ai séché les habits dehors, tout. Maman, depuis que je suis à la maison aujourd'hui, je ne fais que le ménage. Pardon, connectez-vous, je n'en ai pas pour long. Ceux qui n'aiment pas la politique, là, ceux qui n'aiment pas qu'on parle politique, vous devriez vous intéresser à la politique. Aussi bien la politique de votre pays, aussi bien la politique du pays où vous résidez. Je veux dire, même la politique française, c'est très intéressant parce que beaucoup de choses changent, beaucoup de choses bougent. Mais moi, je vais parler de la politique de mon pays. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand ça concerne la politique, vous dites, ah, comme si vous étiez à l'abri des décisions qui se prennent dans notre pays. Pourtant, ça vous concerne. J'ai fait une publication tout à l'heure. J'ai fait une publication tout à l'heure où j'ai parlé de l'augmentation. Maintenant qu'on doit payer la CNI, on doit pouvoir payer, ou c'est entre 10 ou 15 000 pour faire les timbres, en tout cas le timbre fiscal pour pouvoir faire sa CNI. Il y a eu récemment à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de choses qui ont été votées. Moi, je vais m'adresser à ceux qui se disent opposants, ceux qui ont toujours, qui nous ont rabâché le changement. Ceux qui nous ont rabâché le changement, ceux qui ont agressé leurs confrères ici en Occident parce qu'ils veulent le changement, ceux qui ont agressé les femmes, ceux qui ont arraché les perruques, ceux qui ont interdit aux artistes de prester à cause de parce qu'ils veulent le changement, ceux qui a, ils ont agressé toute une communauté étant que j'en fais partie parce qu'ils disent qu'ils veulent le changement. Je vais vous poser la question que vous voulez vraiment le changement ou vous êtes juste les artistes de la manipulation. On voit sur tous vos posts comment vous plairez qu'on a maintenant on va payer la CNI, le prix a augmenté jusqu'à 10 ou 15 000. Vous plairez pourquoi? Il y a eu des sièges à l'Assemblée depuis quelque temps là. Pendant que vous étiez en train de parler des Tofis et de l'Afrika Foot, les décisions se prenaient à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Est-ce que ça vous intéressait? Ça ne vous intéressait pas. C'est Eto qui vous intéressait. C'est le chiffre. Votre chiffon, c'était Eto, Etofis, en ce moment-là. Maintenant que on a proposé des lois et on a voté des lois, vous venez chialer sur les réseaux sociaux. C'est maintenant que vous vous réveillez. Est-ce que c'est maintenant que vous vous réveillez? Quand on siégeait à l'Assemblée nationale là-bas pour faire des votations, vous étiez où? Vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas mobilisé le peuple? Parce que vous parlez toujours au nom de tout le peuple. Pourquoi vous n'avez donc pas mobilisé le peuple en ce moment-là? J'ai vu quelques postes, deux ou trois postes des gens un peu que je peux dire qu'ils ont quelque chose de la matière grise dans le cerveau, qui sont qui inspire à vouloir le changement, qui ont dit que pendant qu'on parle des taux, est-ce que vous êtes au courant que à l'Assemblée nationale, il y a des choses qui bougent, il y a des lignes qui bougent? Vous êtes au courant ou vous n'étiez pas au courant? On demande aux Camerounais de payer la CNI. Donc, on a augmenté le prix du timbre pour aller faire sa CNI. Pourquoi maintenant vous pleurez? Quand on a fait la proposition de loi à l'Assemblée, vous étiez où pour dire non? Pour faire le bruit, pour faire descendre les Camerounais dans la rue. Et là, dit que non. Mais je dis, hein, quand vous cassez les ambassades, là, quand vous avez cassé les ambassades, tout le brouhaha que vous avez fait là, il faut bien que l'argent sorte de quelque part.
Il faut bien que l'argent sorte de quelque part. Donc, vous croyez que l'État va sortir de l'argent sans reprendre par les citoyens? Bien sûr. 2025 arrive. Vous avez dit que c'est Eto votre problème. C'est Eto qui mine tous vos mots. J'ai vu tous les membres de la basse. Je vous ai tous vus. Vous et vos alcooliques. Et au matin, et au midi, et au soir, et au... Même quand vous êtes en train de binder vos femmes, c'est et au que vous pensez. Et au vous doit quelque chose. Vous pleurez quoi maintenant? Quand je vous dis toujours ici là que il n'y a pas l'opposition au Cameroun. Moi, Élise, je peux devenir opposante au Cameroun. Je peux devenir une vraie opposante au Cameroun. Du coup, opposante Roha. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Tout ce brouhaha que vous voyez là, je suis. Ce qui me désole, c'est que certains pensent vraiment que leur sauveur va émaner de la diaspora. Ce qui me désole, c'est que beaucoup qui sont alliés avec la basse pensent que c'est la basse qui va changer quelque chose. Vous marchez comme la basse vous amène. Vous avez oublié le changement. Le pays là, l'État va vous broyer. Ils vont tous nous broyer. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui a les couilles. Si je peux dire ça comme ça. Il n'y a personne qui a les couilles. Il n'y a pas d'opposition. Je plains tous ceux qui ont rêvé du changement. Je plains tous ceux qui ont cru que les Basandji Boston, les Bas Max Senior Ivoire, les Bas Chalomé Tchap-Tchep, les Bas Betty le Kamit, les Bas Kamwa la Panthère, les Bas le Fils du Planteur, les Bas Villageoise du Quat, les Bas Machin, Balonza, Dankassé, Bibian Richaud, les Bas ceci, les Bas cela, allaient les sauver. Pendant qu'il y a le mouvement à l'Assemblée, c'est l'Assemblée nationale qui décide de tout dans un pays. Il y a même nous qui vivons en Occident. C'est quand tu es face à l'administration que tu te rends compte que on a voté certaines lois. Il y a des lois qu'on vote ici, que beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains ne sont pas au courant qu'on a voté des lois. Et des lois qui sont contre l'immigration. C'est quand tu pars devant eux que tu pars découvrir ça. Maintenant, vous pleurez quoi? Puisque vous nous avez pompé l'air avec Eto, quitte, Eto, ceci, Eto est insolent, Eto a mangé l'argent, Eto. Vous dites que vous voulez le changement au Cameroun. Vous ne voulez pas le changement au Cameroun. Vous voulez préserver le système et vos acquis. Le jour qu'il y aura vraiment un leader politique, je veux dire un vrai opposant, moi je vais m'aligner derrière lui. Si Dieu me donne longue vie, je vais m'aligner derrière un opposant digne de ce nom. Mais je ne serai pas opposante parce qu'il faut aller casser l'ambassade, il faut. Pff. Je serai opposante le genre du tic-tac. Parce que même moi, je suis contre le système de 42 ans de pouvoir. Moi, je le dis toujours, hein, dans mon fin fond, surtout quand je regarde comment le peuple Ekan a été trahi, a été délaissé, a été oublié, a été méprisé dans toute la gouvernance des 42 ans là. Je suis la plus amère. Je suis la plus en colère. Parce que je me dis que nous avons toujours été là. Nous avons supporté. Nous avons dit ayop. Mais quand on se rend compte, parce que le réseau social nous donne le pouvoir de se rendre compte que dans tout ça, on n'a rien eu. Le centre sud, Est, ce sont des zones de lamentation.
élan, zéro macabre. Nous sommes les plus, mais pauvres, c'est un mot gentil. Dit que nous sommes pauvres, c'est un mot gentil. Nous sommes les oubliés, les délaissés. C'est pour ça que je vous dis toujours que si moi je veux être opposante, je serai une vraie opposante. Je vais aller au front. Je vais aller montrer la misère de la zone Ekam. Oui. Ce qu'on vit là, on doit tous vivre et subir. S'il y avait un opposant digne de son nom, beaucoup de choses. Vous dites que les gens, nous sommes tribalistes, plus tribalistes que vous. Il n'y a pas. Vous volez du coq à l'âne. Vous avez méprisé le peuple quand insulté, déchiré, dénigré, tout. Vous êtes quitté sur les écans. Vous êtes maintenant sur les bassins. Dès que vous voyez que quelqu'un a un peu de visibilité, c'est dommage que Samuel Eto'o ne soit pas intéressé par la politique. Moi-même, je lui dirais que Nyandom, si tu as les couilles entre les cuisses, va devant. Tu ne vas pas nous reconnaître ici dehors. Je vais mouiller mon cabas. Pour lui. Je vais mouiller mon cabas pour lui. Parce que je suis une digne fille et quand 100%, je ne suis pas hybride, je ne suis pas mélangée. De père et de mère. Quand je vois la misère de la zone Ekam, j'ai honte. J'ai honte de savoir qu'on a eu le pouvoir pendant 42 ans et plus, peut-être même encore les 5 années à venir là. Pourquoi pas cette année à venir, puisqu'ils ont encore changé la constitution là. Ils ont encore changé la constitution. Hein? Vous êtes au courant? Vous êtes au courant? Si on changeait la constitution, là, au lieu de 5-7 ans, là, maman, on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Ils sont en train de voter là-bas à l'Assemblée nationale. Mettre des barrières, faire bloc. Qui va tousser? Qui va faire homme? Qui va faire qui va tousser? Vous pouvez, vous-même qui parliez changement, il fut un temps jusqu'à d'autres personnes pouvaient déjà dire que ah, s'il y a un mouvement comme ça, pourquoi pas, ça peut amener un changement. Vous pouvez l'ouvrir, vous-même, l'État se balade dans vos cerveaux, on joue le dorti dans votre tête, on vous paye pour faire la sale bagnole, besoin, on a voulu détruire Eto'o ici, on vous a tous vu. Tous les membres de la basse et leurs alcoolites, on vous a vu derrière Eto'o pour détruire Eto'o. Pendant ce temps, on vous fait comprendre. Attendez, ne soyez pas pressés. La vraie bombe arrive 2025 quand Eto'o va se présenter. Tapez ici, je prends le défi avec vous. La vraie bombe arrive. Tous ceux qui sont en train de faire là. C'est que votre Kamto là, qui ne dit même pas qu'il sera candidat, il ne sera jamais candidat aux futures élections présidentielles. Coupez la partie, si gardez ça quelque part dans un coffre-fort. Vous l'avez dit que vous pouvez, non? Est-ce que vous les pouvez? Vous ne les pouvez pas. Vous ne les pouvez pas. Hein? Vous-même, vous êtes là, votre bouche tape à gauche, votre bouche tape à droite, votre bouche tape devant, votre bouche tape derrière. Les qui vous appelez opposition? Quelqu'un qui a faim peut être oppositionné, qui peut être dans l'opposition. Hein? Quelqu'un qu'on peut manipuler avec 1, 2, 3, 5 millions peut être dans l'opposition. Vous avez fait rêver les Camerounais, en tout cas les vôtres. Vous avez fait rêver les Camerounais que vous allez ramener le changement. Vous en êtes où aujourd'hui? Pendant ce temps, la machine est mise en place.
La machine est mise en place pour mieux broyer. On va que s'aligner. On va sauf que s'aligner. Vous et moi, Nyebodje, il faut recommencer à nous insulter. Il faut seulement recommencer à nous insulter. Parce qu'avec vous, nulle part vous n'irez. Vous avez la niaque. Vous avez les couilles. Vous avez les couilles. Vous chantez le vent le matin. Le midi, vous chantez la tempête. Le soir, vous chantez la tornade. Vous avez les couilles. Vous vous dites opposant. Vous comptez sur qui? Comme c'est mis en place là, ils vont vous chou. Comme tout, game over. Kamto, game over, terminé. Des changements, des changements. Vous voyez un jeune Africain qui a le charisme, qui a fait le tour du monde, qui a connu le football, que ce soit interne ou extérieur, je veux dire à l'étranger. Il arrive, il veut révolutionner les choses. Les petits mangements de l'Africa foot là. Il dit c'est terminé. Terminé la corruption dans l'Africa foot. Terminé l'abus de pouvoir dans l'Africa foot. Terminé beaucoup de choses. Vous le prenez, vous le mettez en vindicte populaire. Vous l'insultez le matin, vous le caricaturez, vous le traitez de tous les noms d'oiseaux. On se demande, nous Camerounais, est-ce que c'est ça que vous dites que vous voulez le changement? Au contraire, Samuel Eto'o aurait dû être un jeune où nous tous, on allait mettre, on devait faire bloc derrière lui. Tous Camerounais confondus qui veulent le changement, on allait mettre bloc derrière Samuel Eto'o pour dire que voilà un qui vient défier l'administration Biya. Qui vient leur dire que je fais mon job, on m'a nommé, je fais mon travail. Il y a des lois qui spéculent, ceci, cela, autre. Il fait son job. Comme vous êtes, comme vous êtes. Les champs, les assoiffés de famine, vous vous êtes mis, tous mis. Vous avez les mêmes gens qui insultaient Paul Biya en 2018, 2018, 2019. 2020, 21, 22, 23. C'est seulement en 2024 que vos bouches changent. Les mêmes gens qui traitaient Biya de tous les noms d'oiseaux. Bizarrement, c'est les mêmes gens qui supportent le gouvernement Biya. Donc, vous prenez l'équipe pour des cons. Vous prenez vos concitoyens pour des imbéciles. Oui, vous prenez de vos concitoyens parce que vous ne pouvez pas me prendre pour une imbécile. J'ai toute ma tête. Vous prenez vos concitoyens pour des imbéciles. Ce que vous reprochez au président Biya, pendant les années et des années, depuis 2018, votre bouche en 2024 a changé. Vous faites allégeance au président Biya. Tout ça à cause d'un seul individu, Samuel Eto'o fils. Vous faites allégeance au président Biya. Vous faites allégeance au gouvernement Biya. Du jour au lendemain, ils sont devenus les meilleurs travailleurs du monde. Parce qu'il faut abattre Samuel. Samuel Eto'o ne peut pas faire de l'ombre à Kamto. Je ne vois même pas pourquoi quand Samuel Eto'o vous vexe. Il ne peut pas faire de l'ombre à Kamto. Ils sont pas. Je veux dire, on a beau parler, on a beau vouloir que Samuel Eto'o se prononce par rapport à la politique à venir. Non, il ne l'a jamais fait. Kamto, c'est qui? C'est un pion du RDPC. Maintenant, vous nous faites savoir ça, que Kamto égale RDPC, point à la ligne. Et si Kamto vient même avec tout ce qu'il n'a pas par rapport à la constitution du Cameroun à être candidat, on va comprendre. Tout le monde entier, tout Camerounais comprendra que il est le pion du RDPC. Parce qu'il faut aussi quand même
quand même en opposant pour les Occidentaux, pour les pays étrangers. Il faut quand même avoir un opposant en face. Donc vous allez prendre votre marionnette, qui est Kamto, vous allez mettre devant. Vous dites qu'il est opposant. C'est où on va tous comprendre ça. Que Kamto égale RDPC. Vous êtes déjà en train de nous montrer. Vous êtes déjà en train de nous démontrer ça depuis quelque temps là à cause des taux. Que Kamto égale RDPC. On a compris. Parce que si c'était par rapport aux lois camerounaises, Kamto ne devrait pas se présenter. Par rapport aux institutions, la loi camerounaise, ce qui est écrit sur les institutions, Kamto ne devrait pas se présenter au Cameroun comme candidat. Mais comme c'est votre ami, comme il est avec eux, si Kamto se présente, on saura que ce n'est qu'un pion qui mange sa paille, il s'essuie la bouche, il passe s'asseoir à Santa Barbara et puis il vit sa vie. De temps en temps, il profite du passeport diplomatique de sa femme, il monte, il descend, il vient en Bengale. Vous prenez vraiment des Camerounais pour des cons. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Vous croyez que tous les Camerounais sont des idiots, qu'on nous broie le cerveau et tout et tout. Non, vous nous prenez vraiment pour des cons. Nous ne sommes pas tous cons, hein. Nous ne sommes pas tous cons. On voit ce que vous êtes en train de faire. On voit le jeu. On a compris. Vous êtes à la solde du gouvernement. Vous êtes à la solde du gouvernement. Avec Étoffis, on nous a ouvert les yeux. Moi qui croyais que Kamto était un vrai opposant. Il peut même, il peut être opposant. Pardon, qu'il mange aussi son argent chez les BIA. Il nous laisse tranquille. Monsieur Kamto, son excellence, mangez pour vous. Pardon, de grâce, laissez les Camerounais. On a nos vrais problèmes. Le moment venu, on aura notre Messie. On aura notre Messie. On aura notre Messie. Et je m'alignerai derrière ce Messie-là. Je vous ai dit que moi-même, je peux devenir opposante. J'ai les capacités pour. Et j'ai des raisons d'être une vraie opposante. Parce que quand je vois la misère de la zone Ekam, on vous salue. On vous salue. Mais quand on voit le reste, on a honte. On a honte. Chaque fils, chaque fille, chaque femme, chaque épouse, chaque fils, chaque père Ekam ne peut pas arriver en zone et quand on voit la misère que nous avons chez nous, et il est fier. Ok, j'ai compris. J'ai déjà mis combien de temps d'abord? Elle dit que mettez même 20 à 30 minutes. J'ai compris où ma personne. Donc, subissons et fermons-la. Vos histoires que vous venez faire les longs, longs postes, oh, on a augmenté, on va tous souffrir, on va tous souffrir, on va tous souffrir. Je vais souffrir puisque les Camerounais du pays. Je vais souffrir puisque les marionnettes qu'il y a au pays, là. Hein? Je vais souffrir puisque les marionnettes qu'il y a au pays. Moi, Bissot, je vais souffrir, on va tous souffrir. Puisque ceux qui sont au pays. Ça m'étonnerait. Vous avez dit que le changement, non? Ça vous a dépassé. Vous avez pris vos sales fesses. Vous vous êtes assis sur Samuel Eto'o à cause d'un petit poste. Un petit poste administratif qu'on appelle Fekafoot. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, ça bouge. On vote. On fait des contreparties. Tout ce qui sera voté là, à l'Assemblée nationale, va durer 7 ans. Oui. Il faut que vous soyez au courant. Hein. Soyez au courant que tout ce qu'on va voter à l'Assemblée nationale présentement, là, c'est cette année jusqu'au prochain
D'abord, même, il nous faut d'abord un nouveau président, un prochain président. Si ce n'est pas le même qu'on a là, qui sera encore là, il y a plus de chances que ce soit lui. Même si c'est sa photo. Une fois, quelqu'un avait dit qu'un jour, c'est la photo du président qui va nous gouverner. Ok, nous tous. Même si c'est sa photo qui va nous gouverner. Si c'est sa photo qui va nous gouverner. On sera gouverné encore 7 ans à sa photo. Donc tout ce qui est en train de se faire prévaloir là à l'Assemblée nationale va durer encore 7 ans. Donc c'est en 2025 qu'on devrait normalement avoir un nouveau président. Ou si ce n'est pas le même, même sa photo, c'est toujours bon. 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 2032. Tous ceux qui sont en train de voter là, 2030, jusqu'en 2032. Jusqu'en 2032, tout ce qui est en train de se passer là. C'est ça qui essaye, ça ne chauffe pas. Mais vous avez les couilles? Les intellectuels qu'on a au pays. Où c'est quel genre d'intellectuel où? Personne ne sort du lot. Quand quelqu'un va se lever, une femme va se lever, vous allez dire, oh bordel, oh ceci, oh pimentier. Parce qu'une femme pense différemment que vous les hommes. Je serai opposante. Oui, tant si. Qui? Tous les rêveurs qui sont au pays là. On vous a menti, mes chers frères et sœurs du pays. Ils ont réclamé le changement. Vous le voyez. Vous avez vu quelque chose. Ils ont réclamé Paul Biamosgo. Il est toujours étudiant. Ils ont réclamé ceci. Oh non, hold up. C'est toujours pareil. Ils ont réclamé, ils ont réclamé. Tout est toujours au même endroit. Subitement, ils ont quitté toutes les réclamations là. Ils se sont assis sur étau. Ils ont recommencé à acclamer le gouvernement et ses décisions. Mes chers frères et sœurs, même si on boit, non, même si on boit la bière, ceux qui ont le niveau de la bière, ceux qui ont le niveau du coutoucou, c'est la bière de 1000, ceux qui ont le niveau des sachets à 100 francs là. C'est toujours l'argent. Même si on boit alors comme ça là, est-ce qu'on doit aussi nous prendre pour des bêtes? Les gens viennent vous vendre le rêve. Moi, je vous ai vu. Lors, après les élections, lorsque ils disaient que Paul Biya doit partir, je vous ai vu. Ils vous ont fait rêver. Vous y avez cru. Maman, j'étais là, hein. Mon Dieu, je vous dis que mes pages sautaient seulement en 2, 4, 6. Dès que ma page s'ouvrait, elle disparaissait. Dès que ma page s'ouvrait, elle disparaissait. En 2, 4, 6. 2, 4, 6, mes pages sautaient ici. Vous étiez des milliers et des milliers en ligne. Quand Tchap Tchap faisait un live, il fallait vous voir. Les 10 000 vues en direct. 4 000 vues en direct, 6 000 vues en direct. Max Seigneur Ivoire dit, on dit que Max Seigneur Ivoire est devenu il fabrique les contenus sur TikTok pour gagner l'argent. Ça laisse qui? Vous vous souvenez de l'époque là? Vous étiez comme ça, derrière eux. Comme ça là. Flop derrière eux. Changement, changement. Même nous autres, moi j'assume, hein, même nous autres, on a commencé à y croire. On a commencé à se dire que l'histoire, si peut faire comme ça, que on renverse 42 ans, si comme les blagues.
On est venu ici, on a commencé à les flatter avec les valises d'argent. L'État est un monstre froid. Ah non, non, non. L'État, c'est eux qui ont l'argent. L'État. 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 Quand on avait envoyé 140 millions ici, là, il fallait voir les bagnats parano. Les Bakam ou la Panthère. Niet Barano a pris sa part. Ils se sont partagés 140 000 euros. Ils ont commencé à se battre, se déchirer. L'argent arrive à gauche, l'argent arrive à droite. Il y a des élites, des représentants de l'État qui envoyaient des enveloppes pour qu'ils puissent venir en Occident. Parler de quoi? Quand j'arrive en France d'ici 15 jours là. Ils ont leur Tinda ici, Amé. J'arrive en France d'ici 15 jours là. Bon, voilà un petit enveloppe là. Ouais, qui partage. On prend l'enveloppe. Les gars là ont travaillé l'argent. Akana. Bonjour ma soeur, bonjour. Quand on envoie l'enveloppe pour que il y a une élite du pays qui doit venir, qui doit venir à Roissy, Charles de Gaulle. Les autres commençaient à manger, les autres ne mangeaient plus. Ça rame. Vous avez cru, non? Vous avez cru. D'autres ont acheté des appartements. D'autres sont devenus propriétaires sur vos pleurs. Votre misère du Cameroun. Ils ont acheté les appartements comme je suis assise là. Quelqu'un paye, il achète. L'argent vient du pays. Ce sont les mêmes gens-là qui vous ont promis le changement, changement. Oh, Mana, étonne de luxe. Bonjour. Vamos, Mana. Disent qu'ils veulent le changement. Ils vous ont fait rêver. Je suis témoin. Julienne Assomo, bonjour ma soeur. Bonjour. Je suis témoin. Nous les avons vus. On vous a vu supporter jusqu'à votre dernière énergie. Bon Jean. Oh, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Je vous dis que même nous-mêmes, on commençait à paniquer. On commençait, moi, la première, je commençais à dire que bon, intéressons-nous un peu bien à l'histoire, si. On ne sait jamais. S'il faut que la zone Ekang gagne, gagne. Nous sommes aussi prêts. Hein? Nous sommes aussi prêts pour qu'on soit aussi gagnant. Nous aussi, on veut les belles routes chez nous. On nous montre les belles routes ici, là. C'est toujours en zone de l'autre côté. Quand on voit les belles routes du Cameroun, c'est toujours en zone de l'autre côté. Qui vous dit qu'on n'est pas prêt? Qui vous dit que nous aussi, on ne veut pas la lumière? Qui vous dit qu'on ne veut pas les belles routes? Vous croyez que ça nous fait plaisir de voir nos mamans, nos papas, qui ont même des sacs, qui ont des champs de cacao? Et qui souffre pour amener un petit sac de cacao au village. Il fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Les gens partent abusés d'eux parce qu'ils ont un 4x4 qu'ils ont acheté à 1 million ou 2 millions. Ils entrent dans les brousses acheter le cacao de nos parents à vil prix. Pendant qu'on nous dit que le kilo de cacao est à presque 6 000 francs CFA. Quand ils entrent en brousse chez nous là-bas, où nos papas souffrent. Où nos papas et nos mamans souffrent en brousse et arrivés là-bas, ils partent acheter le sac de cacao à 2 000 le kilo. Pourtant, le kilo, on dit que le kilo coûte 6 000, bientôt 6 000 cette année-là.
On achetait encore là-bas à 1500. Chez nous, à 1500. Pour faute de route. Pour faute même que même nos élites ne peuvent pas déléguer des transports spécifiques en cette période qui ne dure qu'une seule fois dans l'année. Une seule fois l'an. Où les villageois de chez nous, nos pères, nos mères qui souffrent, ils ne peuvent pas déléguer que pour qu'eux aussi puissent vendre le cacao là. Même ne serait-ce qu'à 4000 francs le kilo. Nya bobot. Nya bobot. Nya bobot. Nya bobin bebin. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup des écans là sont prêts. Appelons un chat un chat. Beaucoup des écans sont prêts. Parce qu'on n'a rien eu. Jusqu'à présent. Bin et lent, ou soigne les insultes que vous nous avez insultées avec là. Est-ce que c'était alors faux? Que nous sommes pauvres. Nous n'avons rien. Nos routes. Oh, vous dites que vous avez le pouvoir, mais vous êtes lent et lent. Maman, les insultes elles étaient comme les flèches dans mon cœur. Mon petit cœur que vous voyez ici. Que quand les Bamileke là nous insultaient, maman, c'est il prenait la flèche, il vient, il met que tchoup. Je dis que yo. Quand je regarde encore vraiment la vérité, je dis que mais après tout, ils ont même raison. Regardez alors mon village. Regardez mes oncles, mes taras, mes mamans. Regardez comment. Regardez. N'entrez pas dans nos cœurs. Nos cœurs sont amers. Nos cœurs que vous voyez ici. Si les larmes ne coulent pas ici, c'est parce qu'on est des gens dignes. Mais nos cœurs saignent. Où vous voyez nos cœurs là? Ils saignent. Ils saignent à grosses gouttes. Que dans tout ça, dans les 42 ans là, pour couronner le tout, ceux que vous avez tout donné viennent encore nous insulter. Viennent encore nous mépriser. Viennent encore nous rappeler que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. On se bat comme on peut parce que on se défend comme on peut parce que arrivé à un certain moment il faut quand même qu'on montre que nous sommes quand même les guerriers. Arrivé à un certain moment il fallait qu'on montre que nous sommes des guerriers, hein? Que non. Même si on n'a rien, on peut se battre. C'est ce qui s'est passé. Qu'on a mis, que moi-même si, j'allais me voir dans Facebook si. Vous croyez qu'ils ne me connaissent pas? Si je suis connu dans tout l'Ouest, c'est à cause du combat de ma communauté. Je suis venu défendre ma communauté. Que même si je mange le caca, tant que je ne mange pas le caca de chez vous, je mange le caca de ma maison. Oui. Oui. Mais arrivé en certain temps, il ne suffit pas seulement de se défendre. Il faut aussi qu'on se dise que, mais, quelque part, ils ont raison. Maintenant, on fait comment alors? C'est reparti pour 7 ans, mes chers frères et sœurs. C'est reparti pour 7 ans. Vous le savez, je le sais. Mais que ce ne soit pas 7 ans de trop. D'accord. Que ce ne soit pas 7 ans de trop. Que ce ne soit pas un 7 ans de notre honte. Que ce soit un 7 ans où on va alors mettre les bâtons dans les roues. On va leur dire que ok. On vous a dit que on vous amène jusqu'au bout. Je vous dis que même si c'est la photo qui va nous commander, comme il y a la photo de la maman africaine derrière là. Disons les choses. Soyons exigeants. Soyons exigeants, mes chers frères et sœurs. Ne soyez pas seulement la caillou. Demandez ce qui vous est dû.
Demandez ce qui vous est de droit. Vous méritez. Un jour, le pouvoir va quitter la zone Ekan. Un jour, le pouvoir va quitter la zone Ekan. Les mêmes gens-là vont vous dire que, n'est-ce pas, vous avez eu, vous avez fait quoi avec? Vous avez eu, vous avez fait quoi avec? Là, on parle de 42 ans. Sur 42 ans, rajoutez 7 ans encore derrière. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ans. On va nous dire que 50 ans et des brouettes. Parce que là, je dis 42 ans. Si on prend de 81 ou 82, quand il a prêté ses aimants, jusqu'à aujourd'hui, on va nous dire que vous avez fait quoi avec? Les autres mangent, ils grossissent, ils grassissent. Tu arrives dans un village où il y a un élite camp. Il n'y a que son camp, il n'y a que son camp que tu vois, qui est lumineux. Tu vois tout le reste du village. Dis vas-y, à coup. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes fiers. Vous êtes fiers. On va revoter, non? Mais mes chers, avant notre vote là, dès qu'on nous donne, j'ai dit quand même l'image de notre candidat, les autres ne peuvent pas venir profiter. Comme ça, toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui profitent. On donne même un peu même aux nôtres. Tu ne vois rien. Ceux même qui essayent de faire un Jean-Jean, on s'arrange pour que l'opération épervier les met en prison. Vous avez vu ça que l'opération épervier là, ce sont seulement les enfants et quand qui sont en prison, non? Vous n'avez pas remarqué ça? Vous voulez que ce soit moi qui vous dis? Les enfants et quand l'opération épervier, c'est seulement les enfants et quand qui sont en prison. Pourtant, les autres sont des grands, alors là, grands détourneurs de fonds. Mais est-ce que vous allez voir et opération épervier, aller les prendre? Opération épervier, pas aller les prendre. Je sais que mon administrateur est où? Je suis déjà à combien là? Elvisienne, bonjour. C'est parce que nous-mêmes, on a peur. Tu comprends, hein, Elvisienne? Le problème, c'est que Bibi Bini, nous-mêmes, on a peur. J'avais fait un live ici. J'avais dit que tant que le nom dit est là, aucun des candidats ne se nomme peut dire qu'il le renverse. C'est pour ça que vous voyez, tous les autres font toujours des alliances à gauche, des alliances à droite, ils créent des partis politiques comme le MRC. Le MRC a été créé par les enfants et quand les Claude Abbé et compagnie. Oui. Le MRC que vous voyez là, ce sont les enfants et quand qui ont créé ça. Mais après, ceux qui sont assis sur la belle table en train de bien manger, bien boire, ne peuvent pas dire que mais, au bout d'un certain temps, qu'une autre tribu au Cameroun essaye de faire le Hoha. Ou dit que je prends le pouvoir Hoha. Vous allez voir tous les écans là. Tant que ça tourne là entre eux. Oui, mon administrateur, je te vois. On coupe. Tant que ça tourne là entre eux, ça lève. Hein. Mais le problème, c'est que même si ça tourne entre eux, nous, on s'en fiche. Mais nous, on veut le changement chez nous, dans nos zones. Regardez vous-même Yaoundé. Yaoundé, c'est une zone Ekan. Yaoundé, c'est une zone Ekan. Mais Yaoundé, c'est la poubelle à ciel ouvert. Je vais vous faire savoir qu'il n'y a pas de maire à Yaoundé qui n'est pas à connotation Ekan.
à Yaoundé, que c'est ça, les Yaoundé 1, 2, 3, bref, tous les Yaoundé là. Yaoundé, ses environs. Même les petits villages d'à côté là. Ils sont tous mais en connotation Ekan. Donc, ce sont les fils et les enfants du pays Ekan. Mais regardez Yaoundé. Nye. Natini vite. Bekaro capital. Nde bourba nyame bi. Nde babo bungwe. Nde babo bukup. Nde babo Yaoundé. Une ville, une capitale en zone Ekan. Et vous croyez qu'on nous veut du bien? On nous veut du bien avec ça. Regardez Yaoundé. Il y a des endroits à Yaoundé, tu passes, tu fais ça. Où tu es dans la voiture, où tu es sur la moto, tu couvres tes narines. Les gens, ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, viennent faire ça à Yaoundé. Qui va leur dire quoi? En toute impunité, même ceux-mêmes qui ont la cravate vert, rouge, jaune, ne sont pas capables de taper la main sur la table. Des guerriers qui sont devenus des mauviettes. Mauviettes! Yuwondo. Ngole Yuwondo. Awala nya anana. Comme ils sont plus basés à Douala là. À Yaoundé a eu la malchance qu'on a eu toute la vie. On a eu que les villageois. Douala. La Douala, la propreté qu'il y a à Douala, les rues de Douala, tu te croiras en Bénin. Ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi là-bas. Mais regardez ce qu'on fait de Yaoundé. La poubelle, niais. Walouraï Wondo, tu descends en Simalène pour ceux qui habitent dans les quartiers un peu plus éloignés là. Ceux qui habitent les quartiers un peu plus éloignés de Yaoundé là, de Simalène, c'est parce que vous descendez souvent la nuit à 23h30, non? Le temps de sortir, de prendre vos voitures et partir, c'est la nuit, vous ne voyez pas tout. Revenez la journée. Refaites la même ligne jusqu'à votre quartier. Les poubelles à gauche, les poubelles à droite, les poubelles à gauche. Nye! C'est une capitale, ça. Ce sont les fils et les dignes fils et les dignes femmes et quand qui gèrent cette capitale. Voilà un petit exemple que je vous donnais. Nos villages, alors, et Ngoubia, Ngoungwa. Ce qui nous sauve dans les Minvous Minam, en dehors des sachets qui boivent là, au moins ils mangent le pum. Et les Ndiarmi Wondo. C'est ça qui sauve un peu ceux qui sont dans les villages là. On dit que on a la majorité des mères autochtones, autochtones. Quand vous voyez Yaoundé, tu sors, tu as honte. Parfois, je veux même faire la vidéo. Dès qu'on passe où il y a la poubelle, je tourne la caméra. C'est la honte. Parce que on va me répondre comment en face. On va me dire que, mais ce sont vos gens qui dirigent Yaoundé, non? Ce sont les Yaoundé qui dirigent Yaoundé, non? Ils n'ont qu'à faire leur travail. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Est-ce qu'ils font alors leur travail, les affamés, là? Ils veulent seulement manger. Tu pars là-bas, tu choques, il mange, il oublie de faire son travail. C'est comme ça qu'ils vous traitent. Est-ce qu'ils ont alors tort? Ils oublient de faire son travail. Dès que tu parles, ils choquent un peu là. Ils viennent, ils enlèvent la poubelle aujourd'hui. Et demain, la poubelle revient. Mettez les amendes. Faites comme en Occident. Mettez les caméras dans les zones où les gens jettent les poubelles n'importe où là. Votre caméra va vous montrer qui est venu jeter la poubelle. Vous allez chez lui, lui donner l'amende à payer. Il ne paye pas, vous raser sa maison, dis donc.
Mon administrateur, tu es là. On a déjà duré, non? On a fait 1 heure. On a déjà mis tombé. On a duré, on a fait 1 heure. Maintenant, je vous laisse, il est 16h. Je vais aller chercher les enfants à l'école. Allez chercher les enfants. En tout cas, ne faites pas que quand on fait les lives comme ça, là, instructifs, comme ça, là, que ça ne vous rentre pas dans le cerveau. Zizi Léonel, je ne sais pas si tu as pris ma vidéo en cours. Ce que tu dis dans ton commentaire, là, j'ai dit la même chose. J'ai dit la même chose. Mais le problème, c'est que je dis par rapport à notre zone, la zone Ekan. Parce que les avantages, on doit les avoir. On est reparti pour 7 ans. Est-ce que je mens? 7 ans. Dans rien. Dans zéro. On va chercher les enfants. On est ensemble. Je m'ennuie un peu là. J'ai fini de. J'ai fait le ménage et tout. Je dis que bon, j'avais fait un post tout à l'heure en ce qui concerne les timbres fiscaux qu'on doit payer 15 000 là. Les pleurs partout. Je leur ai dit que pendant que vous parliez des taux, le gouvernement faisait des changements dans l'hémicycle qu'on appelle l'Assemblée nationale. Vous venez encore pleurer quoi? Des gens qui ne sont pas capables de mobiliser un peuple à se défendre, à contester. Il y a des lois ici. Nous vivons en Occident. Nous sommes en Occident, non? Il y a des lois ici quand ils veulent passer. Les Français descendent contester. Il y a des lois que quand ils disent, oh, la loi là ne passe pas. Le gouvernement capitule. Il se rétracte. Il dit que non, comme la loi s'y cause trop de problèmes, on se rétracte. Il y a des lois que parfois ils veulent faire passer, la population dit non. Pendant ce temps-là, vous disiez que Eto c'est qui? Eto c'est là, Eto fils, machin. En tout cas.